Bonjour à tous, petits et grands. Aujourd'hui, Madame Lecture va vous lire Cyprien le chien. Depuis qu'il a vu un chat dans son jardin, Cyprien le chien ne tient plus en place. Il trépigne, il bondit, il aboie de toutes ses forces. Allez, Oust, descends de là en vitesse, vilain matou. Tu m'entends? Descends ou je secoue cet arbre comme un prunier. Mais qu'est-ce qui lui prend d'aboyer comme ça? Se demande le chat. Nom d'un chien! Crie Cyprien. Mais tu vas obéir, oui ou non? Ma parole, ce caniche est enragé, se dit le chat. Xx, à la niche, au panier. Soudain, apparaît Kiki, la voisine de Cyprien, à qui rien n'échappe. Laisse-le tranquille. Tu vois bien que tu lui fais peur à cette pauvre bête. Justement, j'y compte bien, dit le chien en sautant à pattes jointes. Mais arrête, s'écrie Kiki. Tu l'effraies avec tes grands gestes. Cyprien va saisir la queue du chat quand soudain celui-ci se laisse tomber de l'arbre et s'enfuit. Sauvé, s'écrie Kiki. C'est bon pour une fois, grommelle le chien. Mais qu'il ne s'avise pas de revenir. Cet extrait est fini. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune nouvelle histoire. À bientôt!